De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes TV Badgeuse. Et le 12 novembre dernier avait eu lieu la première édition des Grands Prix Afro-Caribéens de talent. Et c'est été organisé par Malaika TV. On en parle justement avec Jessie Kalonji et la grande gagnante Béatrice Lafortune. Les Grands Prix Afro-Caribéens, Jessie, c'est une initiative qui a commencé. Pourquoi? Comment? C'était quoi l'idée là? Alors, merci de nous avoir accueillis. C'est un grand plaisir. Oui. Alors, au début de l'année, on a trouvé un moyen pour nous de s'impliquer au développement de notre communauté. Alors, une façon, c'est de créer un concours de talents, sachant déjà que Malaika est destinée à la diaspora afro-caribienne. Mm-hmm. Alors, dans la diaspora, il y a beaucoup d'artistes, de jeunes artistes, des artistes déjà qui sont renommés au niveau national, et des artistes qui viennent, en fait. La relève, préparer la relève, et aussi leur donner la chance de dévoiler les talents et pourquoi pas de s'est préparé pour s'impliquer dans les secteurs artistiques. Okay. Donc, on a lancé les concours de talent. Il y a eu au moins aux environs de 25 candidats qui se sont inscrits à la première édition. Pour la première édition, c'est ça, oui. Alors, nous sommes allés au niveau des étapes. Donc, la première étape, c'était juste l'inscription. Et la deuxième étape, c'est les auditions. Donc, ils étaient tous venus au studio pour faire. Et le public a voté les 9 candidats finalistes qui devaient faire face au jury. Un jury au fait composé de deux artistes musiciens, Abel Maxwell, RDU, ZPN. Et on a invité tout le monde et les 9 finalistes ont participé à la direction. Donc on a la gagnante. La grande gagnante, Béatrice, tu étais dans quelle catégorie, toi? J'écris des poèmes. Okay. Alors je performe aussi. Alors j'étais la seule d'ailleurs. Je me dis que ça m'a fait peut-être aider. Peut-être la démarque. C'est ce que je me dis aussi. Okay. Donc, tu es poète. Hein, donc oui, moi, je suis poète. Donc, comment on se prépare pour une audition, pour faire de la poésie? Qu'est-ce que tu as fait, finalement? Moi, j'ai fait un de mes textes, le premier texte que j'ai performé à vie, c'était « Noir de peau ». En fait, c'est un peu mon témoignage et tout. Okay. Et j'ai tellement dit ce poème-là, je ne sais même pas combien de fois que quand on m'a dit que je devais faire l'audition, j'ai dit « Ah, non, c'est clair, c'est celle-là que je vais le faire, okay, c'est tout, là. Okay. » Parce que pour moi, ça me décrit et tout. Et honnêtement, c'est pratiqué probablement tout seul pour être sûr d'avoir, bien mémoriser le texte, mm-hmm. et après ça, pratiquer devant des amis, parce que pratiquer tout seul et pratiquer devant des gens qui te regardent, c'est deux choses complètement différentes. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis là, durant le concours, tu fais pas le même poème aussi? Non, pas du tout. Okay. Il y avait deux poèmes, c'était séparé en deux parties. Mm-hmm. Il y avait la première partie que, dans le fond, c'était le vote du public et le jury. Mm-hmm. Alors, j'ai fait un autre poème, puis la dernière partie, on était quatre finalistes, et j'ai fait un deuxième poème, puis c'était seulement le jury qui devait décider qui gagne. Donc, ici, c'est vraiment tout art confondu dans les catégories. Exactement. Ouais. Donc, du coup, on est allé à la première édition, puis la deuxième, je veux dire la première phase, et puis la deuxième phase, qui avait juste 4 finalistes, dont ils ont fait face au jury, et puis le jury a choisi. Donc, c'était un tout petit peu de voiler les talents, montrer de quoi on est capable, de quoi ils sont capables. Comment on fait pour démarquer, pour faire partie des finalistes, là? Bon, elle a eu l'idée. Moi, on était plutôt dans l'opération, mais elle s'est bien défendue. Elle a présenté un poème très... en fait, c'était très, très profond. Non, mais ça ne me dérangerait pas. OK, attends. Ça me dérangerait pas. J'ai trop pratiqué, alors je le connais par cœur. Mais c'est correct. Et le jury avait... en fait, se sont basés sur l'originalité, la qualité de prestation artistique, bien évidemment, mais aussi le sens scénique, c'est-à-dire la manière dont la présentation devait être faite. Et tout le monde était touché. Je pense que les gens étaient prêts à faire sortir le larme. Ben voilà, le concours, ça veut dire un prix. Exactement. Et un grand prix de 1 000 $. Tout à fait. Vous avez eu des bailleurs, comment vous avez fonctionné? Alors, pour la toute première édition, c'est Malaika Télévision qui a investi dessus. Donc, ouais. Bien évidemment, on attend la deuxième édition. Nous allons sûrement commencer à toquer de porte. Okay. On n'était pas juste les seuls. Nous avons ici des partenaires, des assistants de la ville de Gatineau, la ville de Gatineau en partenariat, la ville d'Ottawa. Il y a aussi African Entertainment Award, qui est un grand gala qui s'est passé à Toronto. Mm-hmm. Donc, elle étant finaliste, elle va participer à African Entertainment Award. OK, ça donne ça aussi. Ça donne ça, oui. Okay. Ouais. Donc, on était gracieux d'avoir African Entertainment Award. Mm-hmm. Et l'idée, ce n'est pas juste de donner le prix, mais aussi d'accompagner l'artiste à cette nouvelle étape, ces nouveaux chapitres qui commencent. Qu'est-ce qu'on fait avec le 1 000 $, Béatrice? C'est sûr que je vais investir dans ma carrière de poète et tout. Là. Okay. J'avais déjà un peu commencé. À peine. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une vidéo, en fait. Okay. Une vidéo de, justement, mon poème...
clé qui me décrit Noir de peau. J'avais déjà fait une vidéo, j'avais enregistré trois chansons. Mais c'est pas vrai, c'est pas des chansons. J'avais enregistré trois poèmes et moi, mon objectif, c'est vraiment d'être en mesure de pouvoir sortir une compilation des différents poèmes que, oui, que je fais et tout. Puis comment tu vois ça, essayer de percer ce marché de poésie, c'est pas... Mais c'est... en fait, je me rends compte qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait. Ça. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, oh, il n'y en a pas, ça ne vaut pas la peine. » Je fais « en fait, il n'y en a pas. » Alors, je suis la seule. Ouais. Il n'y a pas tant de compétition et je pense que le but, c'est justement de pouvoir trouver comment entrer, de montrer la visibilité. Et puisque c'est quelque chose qui est quand même assez différent, ça va être juste être en mesure. Je pense que c'est moi un peu que je vais vendre à travers ça parce que tous les poèmes que je fais sont quand même un peu autobiographiques ou qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens par rapport à certaines situations et tout. Est-ce que tu veux nous faire un petit bout? Bien, je peux faire le poème... Mais combien de temps il dure? Je ne sais pas combien. Ah, je il sais pas. Minutes. OK. Je vais juste faire la fin, OK? OK, okay? Je vais faire les deux derniers. Je vais faire la fin. OK. La fin. Faut que je me rappelle pour me mettre dedans, OK, et tout. OK. Ça s'appelle Noir de peau. Mm-hmm. Fait que je vais faire la dernière partie. Si je me trompe, ne me jugez pas, on s'il va vous pas plaît. Savoir. Ne me jugez pas. OK, parfait. OK. Je suis noire d'ébène, je suis noire de peau. Et soudain, je réalise. Je suis noire d'ébène, je suis noire de peau. Ma couleur n'est pas une tare, mais une bénédiction. Elle représente l'unité, une beauté qui refuse de se conformer. Elle représente une richesse que même le soleil ne peut blesser. Elle accueille ses rayons et en fait son plus précieux compagnon. Signe de courage et de distinction, comme le phénix, elle a su se lever au milieu des cendres et désappointer toutes les mauvaises prédictions. Maintenant, rendue dans les réseaux d'influence, elle a su gagner les cœurs de ses anciens tortionnaires et me mettre à la tête des plus grandes nations. Alors oui, je me lève et je suis fière. Je suis noire d'ébène, je suis noire de peau et je suis belle. Super, mon applaudi! Alors là, tu as vu la réaction du jury. Je comprends. La première édition, il va en avoir une deuxième. Une deuxième édition qui vient de novembre à GEPAT 2017. OK. Donc, l'idée, c'est d'aller à chaque année qu'il y a un concours de GEPAT. OK. Donc, l'année prochaine, on se prépare déjà. C'est sûr et certain qu'on va encore Donc, venir. Les gens ont dit de se préparer. Là, les oui, les gens partir. Se préparent pour commencer. Voilà. Donc, groupe d'âge. Des 17 à 35. À 35 ans. Voilà. On surveille ça. On va sur GEPAT.ca. Félicitations, Béatrice. Merci beaucoup, Jessie. Merci beaucoup. On surveille ça. Rendez-vous sur le site web gepat.ca pour la prochaine édition. Vous voyez qu'on a vraiment du talent ici dans notre région. Donc, nous, on fait une pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes TV Rogers.